Bonjour les amis bebopeurs et bienvenue sur ce petit tuto qui va nous permettre de modifier la hauteur du RTH. Aujourd'hui, lorsque vous volez et que votre drone vole en dessous des 20 mètres de hauteur, lorsque le RTH s'enclenche ou que vous enclenchez le RTH, le drone monte à 20 mètres, d'accord, et revient sur son point de départ. Lorsque vous volez au-dessus de 20 mètres, le drone reste à cette altitude, à cette hauteur, parce que ce n'est pas une altitude, à cette hauteur, et rentre vers le point de départ. D'accord? Il y a juste que si vous voulez, sur un terrain où les arbres font 25-30 mètres de haut, et ben vous allez avoir un petit souci. Il y a de bonnes chances que vous fassiez un petit bisou à tous les arbres qui sont dans le coin. D'accord? Donc, nous allons modifier le script du drone, du Bebop, pour que lorsque le RTH enclenche, il monte à 35 mètres. Vous mettrez en fait la valeur que vous voudrez, du coup, hein. Alors, nous, on va le programmer pour 35 mètres et qu'il rentre sans problème au-dessus des arbres. D'accord? Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. Le drone est déjà allumé. Donc, je vais me connecter. Je vais connecter le drone au PC. D'accord, donc Bebop, se connecter, voilà. Donc le temps que le drone y cherche, on va aller en bas ici pour taper une commande qui s'appelle CMD. Je valide et voilà, ça me permet d'ouvrir ce requester. Alors je vais ouvrir légèrement. Et c'est par ce biais-là que nous allons communiquer avec le drone. D'accord? Alors, je vais m'assurer que mon Wi-Fi, il est bien connecté. Je suis bien connecté au Wi-Fi de l'ordinateur. D'accord? Et maintenant, pour communiquer avec l'interface qui se trouve là, je vais devoir effectuer une série de clics avec le bouton on-off du drone. Je rappelle que là, il est déjà allumé le drone. D'accord? Donc, je vais faire quatre petits clics avec le bouton on-off. Alors, par sécurité, enlever les hélices, hein, si jamais. OK. Alors, on va attendre un tout petit peu et on va connecter le drone avec la commande qui va bien. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on va taper Telnet, espace 192.168.42.1, qui est l'adresse de tous les bebops pour se connecter à Telnet. D'accord? Voilà. Je fais Enter. À partir du moment où vous avez le slash, l'espace et le dièse, eh ben, c'est que la connexion a réussi, tout va bien. Okay? Maintenant, on va paramétrer l'autorisation d'écrire et puis de lire et d'écrire dans le fichier du drone, autrement dit de modifier le drone. Pour ça, on va utiliser la commande mount espace tiret o espace remount virgule RW espace slash, okay. Mount espace tiret 0, tiret O, pardon, espace remount virgule RW read write lecture écriture espace slash. Je valide, j'ai toujours mon slash et mon dièse, c'est que tout s'est bien passé. OK. Et maintenant, on va aller chercher le fichier où se trouvent les informations. Pour ce faire, on tape vi slash data, vi espace, pardon, vi espace data slash dragon point conf pour configuration. D'accord? Vi espace data slash dragon point conf. Et voilà le fichier. D'accord? Maintenant, il nous reste
allait atteindre la ligne 24 de ce fichier. Donc, on va aller en bas. Où est-ce que je suis là? Donc, 24. Tac, 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 tac. Et la ligne que je recherche se trouve ici. RTH mini 35. D'accord? Alors, là, de suite, il est écrit 35. Forcément, c'est mon drone, il est déjà programmé. D'accord? Donc, on va imaginer que, vous allez voir, on va l'effacer et le remettre. Hein. Il faut juste penser que chez vous, à cet endroit-là, il y aura écrit 20.0. D'accord? Retenez bien le format 20.0, virgule. Je vais amener le curseur sous le point. D'accord? Et pour pouvoir faire la modification, il va falloir taper sur votre clavier la lettre I pour passer en mode insertion. Il n'y aura rien à l'écran qui vous le signalera, en tout cas pas avec le zoom que j'ai mis. Donc je vais appuyer sur la lettre I, voilà, c'est fait. Et maintenant, si j'utilise la touche DEL, la touche supprime, vous allez voir que je peux enlever le 35, d'accord? Là, j'ai même le point qui s'est transformé en virgule. Donc, du coup, je vais passer derrière la virgule pour enlever la virgule pour noter 35.0 virgule. D'accord? Voilà. Ça arrive rarement, mais de temps en temps, ça arrive. L'ordinateur a un petit peu servi, donc il doit y avoir des petites choses dans la mémoire. Voilà. En tout cas, lorsque vous sortez de là, il faut impérativement qu'il y ait écrit ici 35.0 virgule. D'accord? À partir de là, le plus gros effet, on va sortir du mode insertion en appuyant sur la touche échappe. D'accord? Et en appuyant sur la touche échappe, vous allez devoir entendre un petit gling que va vous faire le PC. Ok? Donc je vais appuyer sur la touche échappe. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était un peu faiblard, mais on a eu droit à la touche échappe. Alors, peut-être que je vais mettre le son sur une autre. Ah, ben oui, forcément. Voilà, haut-parleur. Voilà. Est-ce que si j'appuie sur la touche échappe? Non, on n'entend plus, puisqu'il l'a déjà fait. Hein. Voilà, ok? Si jamais vous remarquez que pour une raison ou pour une autre, quelque chose a bougé, d'accord? Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, on n'a rien enregistré sur le drone et on peut toujours sortir de là sans aucun problème, tout simplement en fermant la fenêtre dans le coin supérieur gauche, supérieur droit, pardon, d'accord? En fermant la fenêtre et en recommençant, d'accord? Ou tout simplement arrêter le drone, comme ça vous êtes sûr qu'il n'ira pas se mettre, s'enregistrer dessus. En tout cas, il y a toujours un moyen de sortir, le moyen le plus simple étant de fermer la fenêtre et puis de recommencer tout depuis le début. D'accord? Voilà, pour sortir de là, eh ben, je fais deux points, alors non, c'est tout à fait en bas, voilà, deux points. Alors, je veux sauvegarder, hein, je veux sauvegarder et sortir, puisque là, je n'ai fait que des modifications. Donc, pour le moment, je vais sauvegarder. Bon, pour sauvegarder, la commande, c'est 2.w et q. W pour write, pour écrire, q pour quitter. D'accord? Et je valide. Là, le fichier a été écrasé dans le drone. OK? Alors, normalement, c'est censé s'écrire un tout petit peu plus haut. Le fichier était écrasé sur le drone, d'accord? Et maintenant, on va aller vérifier que le fichier, il a été écrit correctement. OK? Alors, voilà, c'est ce que je cherchais. Après avoir fait Enter, alors, je ne sais pas pourquoi ça a sauté, mais normalement, il est censé s'écrire... Normalement, c'est censé s'écrire en dessous. Ce n'est pas grave en soi. L'essentiel, c'est que vous ayez fait les deux points write Q, donc écrire et quitter. Et ensuite,
vous devez retrouver le slash et le dièse. D'accord? Donc, pour s'assurer que le fichier a bien été enregistré, d'accord, on va aller tout simplement retaper une commande pour s'assurer que tout est bien dedans, d'accord. Et là, on va taper tout simplement la commande vi espace data slash dragon.conf pour configuration. Vi espace data slash dragon.conf pour configuration. Je valide. On retrouve notre fichier. D'accord? Et puis, si je redescends sur mes lignes, hop, voilà, on va retrouver le. Est-ce que j'ai tapé la bonne commande ou est-ce que je me suis trompé de. Non, non, c'est très bien, on est très bien. Ok, donc on doit arriver sur la ligne 24. La ligne 24 qui se trouve. RTH 24. Il m'en manque un petit bout là. J'ai les yeux qui fatiguent. Voilà. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, là, 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 là. Oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Le voilà. La ligne 24. RTH, mini altitude, 35. Il est là. Un petit coup de fatigue, c'est pas grave. Ok. Donc vous avez bien la confirmation là que votre drone est à un RTH programmé à 35 mètres de haut. Voilà. Une fois que ceci est fait, et ben vous pouvez sortir de votre telnet, vous pouvez éteindre le drone et faire un test à l'échelle sur le bon terrain qui va bien dégager pour pouvoir permettre au drone de monter à la bonne hauteur et de rentrer à la maison. Voilà. Voilà comment on procède pour modifier la hauteur du RTH du Bebop. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce RTH, lorsque vous faites un reset, il va s'en aller. Vous allez revenir à 20 mètres, tout simplement parce que le Bebop a un script de sauvegarde pour faire le reset. Et ce script de sauvegarde, il est à 20 mètres. D'accord. Je vais vous refaire un autre tuto pour vous expliquer où se trouve cette ligne de commande pour passer également, après un reset, la hauteur de RTH à 35, 30 ou 35 mètres, hein, suivant votre choix, d'accord, après un reset. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bon vol à tous. Ciao, ciao.